Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez bien aimé le premier épisode de L'Ombre de la Guerre. Donc, on se retrouve pour continuer. On va faire le deuxième épisode de L'Ombre de la Guerre. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut, ça me ferait plaisir. De poster des commentaires, ça me ferait plaisir de répondre à vos commentaires. Et surtout, partager un maximum la chaîne YouTube. Let's go, on continue. Là. Campagne de l'ombre de la guerre. Et peut-être demain, voire je vous réserve un petit cadeau, probablement dans la semaine, voire la semaine prochaine, voire le 3 novembre, quoi. Ou le 4 novembre, sûrement j'aurai Assassin's Creed avant. Alors, déjà d'une, vite fait, comme ça. C'est fait, on va baisser le son. Parce que le son, c'est pas qu'il est trop fort, mais quand même. Hop. Effet sonore. Fait du dialogue. Musique. Sous-titres, oui, comme ça je peux parler en même temps. Alors, application. Elle est impeccable. Donc, alors. Mon armée, on va dire. Petite armée. Donc, il va falloir tuer. Ouais, tuer celui-là. Marquer la cible aussi. On va plutôt marquer. Cette cible, ici on va aller Général Castamir. Ok, bon, on va voir quête. Déjà, on en a terminé 3. On va les tuer déjà. Hop. Alors, on va aller déjà tuer une personne qui a. Un peu plus loin que d'habitude. On est niveau 2. Et j'ai bien envie de. De faire. De continuer la campagne. Parce qu'on peut monter. Ouais. Tranquille. Donc. On n'est vraiment pas très loin. Ok. Allez. Ça c'est bon. C'est impeccable. Allez, on va un petit peu les aider. Ah, dommage. Voilà, c'est ce que je voulais faire, les amis. Donc, alors là, en mode furtif. Ok, je me suis gouré de boutons, ça arrive à tout le monde.
Ok, ça c'est mes coéquipiers. Allez, monte. Allez, on va courir. Enfin, on va courir, on va aller tuer la personne qui est là-bas. Ce qui me semble en même temps assez facile, mais... Non, c'est pas ça non plus. Et c'est pas ça non plus. Bon, bref. Alors, après on se servira de l'arc. Hop. Ah. Oh. Tu devrais pas te cacher derrière Shark. les murs À de la l'aise. ville maudite. Il est là, lui. Ah. Chiotte. Il t'ennuie, rôdeur? Oula. Mince. Aïe aïe aïe. Yes. Ah. Yeah. Impeccable. À l'aise. Voilà les gens. Je l'ai tué. Ça c'est impeccable. Voilà, donc on a récupéré son âme. Donc on va aller dans l'inventaire et on va l'améliorer. Je suis niveau 4. C'est déjà pas mal. Franchement, faut l'avouer, c'est pas mal. Allez, let's go. On va aller tuer le level 6. Je pense qu'il est quelque part en haut. Ah, j'ai cru voir quelqu'un là-bas. Attention, s'il sent quelque chose, c'est que ça sent mauvais. Alors, on va descendre. Hop, on va voir. Ok, donc il est là. Alors, triple coup. Voilà.
J'adore faire des éliminations comme ça, les amis. Allez. Headshot. Ah. Un level 8. Bim. Off. Ok, ça c'est pas très grave. Ouh. Wow. Carrément quoi. What the fuck? Ah, ça y est, j'ai tué. Vous avez tué. Il y avait bien écrit marqué vous avez tué. Ouais, ben vous avez tué le marcheur. Ok, ben continuez. Donc rapport de combat. Ok. Level 14. Level combien? Level 9. Nouvelle cible, non. Elle est morte. Ou alors, au pire des cas, épique. On va aller tuer lui. Je préfère mieux aller tuer lui. Comme ça, on a le level 14. Ah. Ça, c'est bien, ça. Impeccable. Alors, premier temps, il me semble. Hop, de une. Si c'est vers là. Tant mieux. Ça m'étonnerait que ce soit vers là. Quoique. Impeccable. Et ben voilà. 1 sur 1. Alors notre level 14. Il est ici. Ah, par contre toi, je m'attendais pas.
ça qu'on est spéciaux. En sortant de la cuve, ça s'est vu. Deux fois plus malin que les autres. Deux fois plus rusé. Avec deux visages nobles, mais néanmoins très intimidants. Donc je suis épique. Là, je suis au niveau, au level épique. Mince. Wow, tranquille. Allez. Allez, allez. Oh mince. Oh. Mince. Alors là, je suis resté bluffé. Ah ok, bon bah je l'ai tué, même si je l'ai pas tué. Ok, donc rapport de combat. J'ai tué, il me semble, lui. Enfin non, j'ai pas tué, c'est... Je les ai pas encore tués, j'ai tué bientôt lui, il me semble. Alors tueur, level 14. Ah quoi que si. Non, c'était pas ça, mais bon bref. Ouais bah c'était bien ça en fait. Alors, hop. Ok, on a... Bon, on va tuer celui-là, le premier, là, le level 3. Alors là, j'ai bien envie... C'est suspens, ouais. Oups. Voilà, de belles éliminations. Et voilà, là je l'ai tué. Ok, impeccable. Le level 14 est là-bas. Mince. Allez. Ça, c'est impeccable. Est-ce qu'il y en a encore? Ouais, il y en a encore en haut. Ça, c'est pas très grave. On va essayer plutôt de tuer le
le niveau 14. Allez. Il m'aime bien, il se l'aime bien, et on sera toujours ensemble, même si je le hais, en fait. Alors, on doit descendre. Mais c'est ce qu'on va voir, hein. J'ai deux esprits, mais je vais t'écraser. Ben non. Ah, s'il me faudrait des fléchettes, des flèches, ça serait le top. Voilà. Là, c'est beaucoup plus sûr. Allez, faut se grouiller. Merde, il s'est barré là-bas. Je commence le duel. On commence le duel. Je vais te réduire en bouillie. Ensuite, je te piétinerai. Oh, qui m'offre un cadavre? Encore frais en plus. Ok, d'accord. Ah, sérieux? À l'aise. Vous avez vu, les amis? Oh, ça c'est pas mal, ça. Par contre, ça c'est... Ben c'est ce qu'on va voir, level 12. Allez. Elle enfle et puis elle pend. Et rien, apparemment, ne peut m'aider. Mais toi, tu es le remède aux maux qui me rongent. Celui qui cicatrisera mes plaies. Pour te résumer tout ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis le souffrant. Et toi, le remède. Oh shit.
Ah mince! Je vous ai tué, ouais. Bon bah il m'a tué. Bon bref, après c'est pas grave les amis, on va continuer la campagne. Ou alors on continuera pour vraiment, enfin le vraiment deuxième épisode. Ça sera un petit peu tout ça quoi. Ça tout à l'heure on avait pas, on avait juste ça et deux trois mecs. Bon là on a un petit peu tout. Bref. Donc, allez, on va améliorer un petit peu tout ça, y compris... Ah ben ouais, tu m'étonnes. Ok, maintenir. D'accord. C'est plutôt pas mal du tout. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Là, par contre, là, j'avoue que... Mince. Level 2. Là, j'avoue que quand même, c'est... Abandonné à la crevasse du destin. J'étais mourant. J'aurais pu retrouver ma famille. Le passé est le passé, Talion. Alors, petite aptitude. On a un point ici, donc on va le mettre ici. Prédateur. Ce qui signifie... Voilà. Ici, on en a encore un. Ici on peut pas. Lui c'est fait. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pas mal ça par contre. Ça aussi c'est pas mal du tout. Dominique capitaine, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, quête. Alors, quête, on va aller faire ça. La grande salle renferme les plus grands trésors de Minas City. Allez, let's go, les amis. On y va. Je pense qu'on va aller avec. Voilà. Avec une bête. Viens là, vite-toi. Bon, c'est pas grave au pire. Allez. Ah mince. Je peux pas. Ça c'est franchement c'est vraiment pas mal ça aussi. Hop. Bim. Impeccable. Headshot. Ok, le mec il monte. Allez, let's go. On s'en fout un petit peu là pour l'instant.
N'oublions pas ça. Allez. Nous devrions aller fouiller la grande salle et récupérer le palantir. Attaque. En plus, tu crains rien. C'est ça qui est le top, les amis. Allez, on va dans la grande salle. La fièvre de Tortole ne veut pas retomber. Oui, allez, on va commencer. Donc, je vous laisse la cinématique. Du moins, s'il y en a une. Comme ça, vous l'aurez tout en silence. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, hey, vous! Qui êtes-vous? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Minas Ithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruks cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruks démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquerons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Je dois défendre les portes. Allez, let's go. On va défendre la porte. Je ne les laisserai pas prendre cette ville. Alors il faut trouver le palantir. C'est le seul moyen. Allez. Ce n'était que le début. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Let's go. Donc on va la suivre. Nous pourrons voir toute la ville basse une fois que nous serons arrivés là-bas. Allez, go. Sans blague, moi je... j'arrive avant, avant tout le monde. Allez. Sans blague. Ah, punaise. Ok, d'accord, ok. Ah ouais. Il va falloir que je tue. Attendez deux petites secondes, je vais modifier un petit truc, option. Volume principal, effet sonore. Voilà, appliquer comme ça, c'est fait. Allez, let's go.
permettre de dompter la bête. Ah, maintenez pour dominer, oui. Voilà. Les voilà. Excellent. On va la tuer. Et on l'a bel et bien tuée. Ça devrait servir. Alors, impeccable, continuer. Où est-ce que je dois... Ah, ok. Oh, pas mal. Allez, on monte. Impec. Alors. Ça, c'est fait. Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Nous ne pourrons pas les vaincre. Et impeccable. Nous les avons repoussés pour l'instant. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville. Allons voir comment vont y driver les autres.
C'est vrai que le petit bruit là, il est un petit peu chiant. Enfin, après, bon, c'est pas grave. Bonne cinématique à tous. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Mon père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père et lui parler. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Donc, voilà pour cet épisode 2. Ça se termine maintenant. Sur ce, l'épisode 3 est en préparation. Donc, let's go, c'est parti. On va vite fait améliorer deux trois petites choses style ça. Ça c'est bon pour dompter les petites bêtes. Voilà, donc moi je voudrais bien dompter on appelle ça déjà les chefs. Bref les amis, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Pour ma part, je vais vous préparer le troisième épisode pour vendredi ou pour jeudi. Sur ce, bon visionnage à tous. N'oubliez pas le petit like en récompense. Et puis si vous aimez bien, surtout, c'est ça le top du top YouTube. Sur ce, peace et à la prochaine.